Hey, bonjour à tous les amis, c'est Brazy, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 28 avril 2024, donc avec le retour du Marvel avec le Spider-Man Zero et Mary Jane Watson, donc pour 1500 V-Bucks. Donc il comprend Mary Jane Watson, donc il fait partie de l'ensemble Mary Jane Watson saison 2 chapitre 3. La grade toilée pour être équipée en tant que pioche ou accessoire de dos, donc avec sa version Lego, avec sa gratte étoilée, donc c'est toujours la série Marvel, là, évidemment, c'est voilà les accessoires ainsi que les tenues. Accessoires de dos et pioche, le tout pour 1500 V-Bucks. Le retour du Spider-Man Zero, donc lui fait partie ensemble Guerre Zero saison 3 chapitre 3 avec sa version Lego, avec son Spider Drone qui est son accessoire de dos, le tout pour 1500 V-Bucks. La tranche soilée, c'est sa pioche pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour du Bouffon Vert, donc tout simplement, avec sa version Lego et la bombe citrouille qui est son accessoire de dos, le tout pour 1500 V-Bucks. La hache citrouille, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Les ailes du bouffon, c'est son petit planeur pour 800 V-Bucks également. Donc, fait une pause menaçante en chevauchant le planeur d'ailes du bouffon. Voilà, donc c'est toujours série Marvel. Ensuite, vous avez le retour du pack Nick Fury pour 2000 V-Bucks. Donc, avec son accessoire de dos, sa pioche, son planeur et ainsi que l'écran de chargement, le tout pour 2000 V-Bucks. Sinon, hors pack, vous avez donc Nick Fury pour 1500 V-Bucks. La faux du directeur, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le planeur de frappe infiltré, c'est son petit planeur donc pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Daredevil, donc c'est toujours série Marvel. Donc, avec le pack Daredevil qui comprend son accessoire de dos, sa pioche et son petit planeur, donc pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Daredevil pour 1500 V-Bucks. Les matraques de Daredevil, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Les ailes de Daredevil, c'est son petit planeur pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le pack Ella Odin's Dodir, j'arrive mal à le dire, hein, donc ça aussi c'est la série Marvel, donc avec son accessoire de dos et sa pioche, le tout, le pack pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Ella pour 1500 V-Bucks avec son nécro épée, donc qui est sa pioche pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours Hulk champion de Sakaar, donc accessoire de dos, pioche et revêtement d'armes pour 2000 V-Bucks. Voilà, avec ses deux custom. Hors pack, donc vous avez Hulk champion de Sakaar, donc pour 1500 V-Bucks avec ses deux customs, les haches de marteau et marteau, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. La ferraille sakarienne, c'est son petit revêtement d'armes pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Belilige, donc le pack royal pour 1500 V-Bucks, donc avec les deux emotes et les deux pistes musicaux, donc tout pour 1500 V-Bucks. Donc hors pack, vous avez You Should Me In the Main, donc la petite emote pour 500 V-Bucks, la deuxième Bad Guy pour 500 V-Bucks, Therefore I Am, donc la première piste musicale pour 500 V-Bucks, toujours de Billie Eilish, Happier Than Ever, la deuxième pour 500 V-Bucks. Ensuite, il y a toujours le pack Nike Victorieuse, donc avec son accessoire de dos, sa pioche, son planeur et la petite emote Swash de la victoire, donc. En pack, donc vous avez DS Nike pour 1200 V-Bucks, les victoires ailées, c'est son planeur pour 1200 V-Bucks, la flamme de la victoire, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks, et le schmosh de la victoire, c'est son petit emote pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours la comparaison avec Avatar, donc toujours avec le pack Zuko Katara pour 3200 V-Bucks avec leurs accessoires de dos et leurs pioches. Hors pack, vous avez le pack Zuko pour 2000 V-Bucks, accessoires de dos et pioche et la tenue, bien évidemment. Le pack Katara, donc avec Katara, sa accessoire de dos et sa pioche pour 2000 V-Bucks. Le pack Toph Bifong, donc avec le personnage Toph Bifong avec son accessoire de dos et sa pioche. Et pour finir, le tourbillon d'air, c'est sa petite emote pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous êtes toujours dans l'espace, toujours avec le pack Ripley Xenomorph, donc avec Ripley, son accessoire de dos avec Xenomorph et son emote intégré, ainsi que l'écran de chargement pour 2200 V-Bucks. Le pack d'équipement spatial pour 1500 V-Bucks, donc la pioche, la petite emote et le planeur pour 1500 V-Bucks. Donc. Ensuite, en pack, vous avez Xenomorph avec son emote intégré pour 1500 V-Bucks, Line Ripley avec son accessoire de dos, voilà, avec leur version Lego également. J'ai oublié toujours de préciser, il y a la version Lego à chaque fois des personnages, donc avec son accessoire de dos, sa version Lego pour 1500 V-Bucks. Indigestion, donc c'est la petite emote pour 300 V-Bucks. La navette Cheyenne, le petit planeur pour 1200 V-Bucks. Le bras de maintenance, c'est la pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Tortue Ninja, donc pour 3400 V-Bucks, pardon. Donc avec Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël, avec chacun leur accessoire de dos et leur pioche, leur version Lego. Hors pack, vous avez donc Leonardo, donc avec sa version Lego, accessoire de dos et pioche pour 1600 V-Bucks. Donatello, avec sa version Lego, accessoire de dos et pioche pour 1600 V-Bucks. Raphaël, avec sa version Lego, accessoire de dos et pioche. Et Michelangelo, donc avec son accessoire de dos, sa pioche et sa version Lego pour 1600 V-Bucks. Hors pack, donc. Ensuite, vous avez toujours le pack Aprionil pour 1800 V-Bucks, donc avec ses deux accessoires de dos, sa pioche et ses 9 aérosols, le tout pour 1800 V-Bucks. Et sa version Lego également.
Harpak, vous avez appréhendi pour 1500 V-Bucks. Le micro à scoop, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. La carapace de héros, donc c'est sa deuxième. Son deuxième accessoire de dos pour 400 V-Bucks, donc il est entièrement customisé. Au départ, vous avez 9 custom, 9 aérosols pour pouvoir la customiser, plus tous les aérosols que vous avez dans votre casier. Ensuite, vous avez Maître Splinter pour 1500 V-Bucks avec son accessoire de dos, sa version Lego. Et son bâton de Splinter qui est sa pioche pour 800 V-Bucks, lui pour 1500 et la pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, il y a toujours le pack Machine Intelligente, donc pour 2400 V-Bucks, donc avec glitch et variable, donc avec leur accessoire de dos, leur pioche et également leur vêtement d'armes ainsi que leur version Lego. Me semble, hein. Oui, avec leur version Lego, voilà. Donc avec trois revêtements d'armes, donc Protovague, Luminescan, Protovague et Circuit Fermé. Donc c'est les trois revêtements d'armes, pardon. Avec leurs différentes custom, le tout pour 2400 V-Bucks. Le Orpax, vous avez Varia pour 1500 V-Bucks avec stylo choix et animé. Glitch avec son accessoire de dos, sa pioche et... Son accessoire de dos et son vêtement d'armes comme variable pour 1500 V-Bucks également. La trancheuse de code, c'est leur pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez des revêtements sur vos tenues, donc avec camouflage à bulles pour 500 V-Bucks, il est animé. Vide iridien, donc il n'y a rien de spécial pour 300 V-Bucks. Or fondu, animé, réactif pour 500 V-Bucks. La chasse au lourd en vêtement d'armes animé pour 500 V-Bucks. Le flux angulaire en vêtement d'armes animé pour 500 V-Bucks également. La décharge fluo, donc revêtement d'armes tout simple pour 300 V-Bucks. Rayon givré, revêtement d'armes tout simple pour 300 V-Bucks. Liquid, revêtement pour 500 V-Bucks animé. Zéro radio, revêtement d'armes animé pour 500 V-Bucks. Et code barre, le petit revêtement d'armes animé également pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le style emblématique avec le pack section bleue, donc qui comprend Docteur Bleu-Vajon avec son accessoire de dos, la Zunit avec son accessoire de dos et leur pioche. Donc, avec donc, le pack section bleue, donc pour 2200 V-Bucks, donc avec deux tableaux version accessoires de dos, la Zulite avec son accessoire de dos et sa pioche ainsi que leur vêtement d'armes. Ensuite, hors pack, vous avez deux tableaux version donc pour 1500 V-Bucks, la Zulite pour 1500 V-Bucks également, la pioche suintante, c'est leur pioche pour 800 V-Bucks, et désossé, c'est leur petite emote pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Goupil, donc avec son accessoire de dos et sa version Lego, le tout pour 1200 V-Bucks. Un peu genre dessin animé, hein, Goupil, hein. Non, un peu mieux fait, pardon. Il fait partie de l'ensemble, donc aucun ensemble. Donc, oui, l'ensemble Fourrure de guerre saison X, premier chapitre, donc pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Cœur d'un Amo, donc pour 2800 V-Bucks. Donc, avec un Amo, sa version Lego, son écran de chargement, sa pioche, son revêtement d'armes. Et son petit planeur, donc pour 2800 V-Bucks. Pour 1500 V-Bucks, vous avez Attrape Cœur, donc. Juste la tenue, hein, avec sa version Lego et son accessoire de dos. Le brise, la dague brise cœur, donc c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Et Amourail, c'est le petit planeur pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez Mini Supercar, les modes synchronisés donc, de cette saison et de ce chapitre donc, pour 500 V-Bucks. Le pack Horizon Sauvage qui fait son retour donc, pour 2000 V-Bucks, donc avec Gardien du Troupeau. Gardienne de bétail, donc avec leur accessoire de dos, leur pioche et le petit revêtement d'armes donc. Pour 2000 V-Bucks, hors pack, vous avez gardien du troupeau pour 1200 V-Bucks. Les prenettes, donc c'est la pioche de la gardienne du bétail pour 1200 V-Bucks. La hache multi-usage, c'est celle du gardien du troupeau. Et gardienne de bétail, donc pour finir, donc pour 1200 V-Bucks, donc hors pack. Ensuite, il y a Equipe You pour le Fortnite Festival, donc toujours avec le créateur à plume pour 800 V-Bucks, sa guitare. Le micro Lanta, c'est le petit micro pour 800 V-Bucks. Le Ketari Cailleux, c'est le petit clavier pour 800 V-Bucks. Décollage imminent, c'est une petite emote, donc pour 500 V-Bucks. Voilà, tout simplement. Voilà, bah, on va l'avoir radé. Voilà, c'est sympathique. Ensuite, vous avez toutes les pistes musicaux, donc avec un peu de tous les artistes mélangés. Il y en a plus de 65, donc je vous laisse les découvrir pour 500 V-Bucks. Il y a du The Weeknd, du Lady Gaga, un peu de tout, de la quoi. Enfin, il y a un peu de tous les artistes connus. Donc, pour 500 V-Bucks, il y a de la piste musicale que vous pourrez rajouter dans votre casier et l'avoir définitivement sur vous. Donc, si c'est une musique qui vous plaît, vous pouvez l'acheter voilà, pour 500 V-Bucks, tout simplement. Donc, voilà. Et sinon, vous les retrouvez toutes dans le Fortnite Festival.
Ensuite, vous avez toujours le pack de gains de niveau de percée pour 1200 V-Bucks. Donc, toujours avec obtenez la tenue percée à l'achat et accomplissez les quêtes hebdomadaires dans Battle Royale pour gagner jusqu'à 28 niveaux des verrouilles récompenses cosmiques. Accomplissez les quêtes en obtenant des jetons de gains de niveau dissimulés sur la carte chapitre 5 avant la fin de la saison 2. Chaque semaine, de nouvelles quêtes deviennent disponibles et peuvent être accomplies jusqu'à la fin de la saison le 23 mai. Donc, accomplissez les quêtes pour déverrouiller chaque quête à niveau entier sous forme d'XP par jeton. Semaine 1, l'accessoire de dos et gilet réfléchissante. Semaine 2, leurs vêtements. Mythe mortel à partir du 30 avril à 4h, donc ce sera mardi, les amis. Semaine 3, la pioche dague fragmentée à partir du 7 mai à 4h, donc ce sera la semaine prochaine. Semaine 4, le style illustre héros pour la tenue percée à partir du 14 mai à 16h, donc voilà, ce sera mardi prochain. Donc, accomplissez toutes les quêtes, 28 au total pour vérifier toutes les récompenses cosmiques, le tout pour 1200 V-Bucks, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous êtes sur le pack, faites rompir les moteurs avec Samurai pour 1500 V-Bucks et ses différents stickers. La pack Ando, donc pour 1500 V-Bucks et ses différents stickers. Le Turbo Sandstorm, donc c'est un petit turbo pour 400 V-Bucks. Le Tycoon, c'est un deuxième pour 400 V-Bucks et les Rumas Eto. C'est les petites roues, donc ce que vous achetez en boutique de Fortnite, donc vous le retrouvez dans le Rocket Racing évidemment sur Battle Royale et également sur Rocket League, donc tout simplement hein, c'est les objets que vous avez sur les trois modes de jeu. Ensuite vous avez toujours les Lego Fortnite, donc toujours le pack Anarchy Hack pour 800 V-Bucks. Alors pack, vous avez le kit ferme fourmi pour 600 V-Bucks qui comprend les deux bâtiments. Le choix du fermier, sa décoration hors pack également pour 400 V-Bucks. Et Ronchon pour 1200 V-Bucks, donc il fait partie de cet ensemble avec sa version Lego et son accessoire de dos. Ensuite, vous avez une vie en mode fluo, donc avec la terreur fluo pour 1200 V-Bucks, la décoration de vie en mode fluo, donc pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le choix d'acheter 25 niveaux du pass de combat pour 1850 V-Bucks. Le pass festival pour 1800 V-Bucks, donc il vous débloque la tenue de Billy Eilish, donc comme vous le voyez actuellement à l'écran, et pas mal d'autres choses, son clavier, ses pistes musicaux, etc. Donc, si vous ne l'avez pas encore, le pass musical, vous pouvez l'acheter donc avec des verrouillés, des pistes musicaux donc dans le Fortnite Festival. Sans acheter le pass festival, donc vous avez des points, donc vous gagnez avec vos points déjà, vous remportez des récompenses déjà jusqu'à ce point. Après, en achetant le pass festival, vous avez la suite pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de quête de démarrage de Fuse pour 9,99€. Le pack de quête de l'étoile hurlante pour 8,99€. Donc, avec le personnage, son accessoire de dos, sa version Lego, sa pioche et pour gagner jusqu'à 1000 V-Bucks. Le pack de Gardien de Galaxie pour 28,99€ toujours. Ensuite, vous avez toujours le pack Winnerman 2.0 pour 18,49€. Donc, avec un accès permanent à la campagne sur les mondes. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans sur les mondes. Terminez la défense du bouclier en tempête base de 3 pour déverrouiller les quêtes et entamer ce pack de défis. Donc, on comprend la tenue Vanderbot, sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche. Ensuite, vous avez pour finir le pack de démarrage opération fluo pour 3,75€, donc avec l'agent fluo et ses deux customs, avec son accessoire de dos et sa version Lego et la décoration pour sa chambre. Et sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire Club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélités au club, des objets cosmiques exclusifs au club, donc une nouvelle étape est déverrouillée chaque mois, tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez déjà pas de combat, ils vont vous 950 V-Bucks. Vous recevez une V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est Saiko Chasseuse d'Esprit, donc avec sa version Lego, enfin pour le mois de mai, du moins, c'est déjà le skin du mois de mai qu'on aura le 5, nous. Avec sa version Lego, avec son caisson abyssal et le défailleur d'esprit qui est sa pioche, donc le tout pour 12€ par mois, les amis, si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà, nous avons un thème de cette vidéo. Si vous avez plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter, la partager, les amis, c'est très important pour le soutien. On est à 2980, on était à 83, bon bref, ça varie un petit peu, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, les amis. On vise les 3K rapidement là, faut qu'on soit aux 3K. Parce qu'au 3K, je vous ai promis un super cadeau dans la boutique de Fortnite. Donc les amis, n'hésitez pas donc à partager un maximum la chaîne, à liker, à laisser votre commentaire, vos pouces bleus, les amis. N'hésitez pas, je ne mords personne. N'hésitez pas à parler. Je veux vous voir en commentaire et même sur les lives, les amis. Venez, je suis je suis là pour vous divertir, mais voilà, je suis là pour vous voir aussi, les amis. Donc n'hésitez pas à mettre pouce bleu, les gars, les frérots, n'hésitez pas à mettre le commentaire, le pouce bleu, le partage au maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes encore nombreux, je sais, à ne pas l'être, 80% qui rentre ma chaîne qui n'est pas abonné, donc c'est la chaîne, s'il vous plaît, vraiment saute le pas, n'hésite pas, hein, c'est gratuit, c'est en bas à droite de la vidéo, tu cliques sur s'abonner, tu peux activer la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines sorties vidéo, pardon. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code Brasier en majuscule, en minuscule, dans boutique de Fortnite, c'est le code qui a enflammé l'été dernier, qui va renflammer cette année également. Donc n'hésite pas à le mettre, tu m'es fouillé, moi ça m'aide énormément, puis c'est totalement gratuit, hein. Tu as juste à mettre le code, et voilà. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et à bientôt, bye bye. Portez-vous bien les gars, les frérots, à plus, tchuss.